Eh bien bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de FTB Sky, c'est le Caristo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va rester un petit peu sur du mécanisme. Oui. On a fait du mécanisme, dernière vidéo, on a fait le fission réactor, et maintenant, nous allons faire à nouveau du mécanisme, mais pas pour le fission réactor. Que nini, on va s'occuper de fuel. Ouais, mais pas n'importe lequel. Si je vous dis... Et DT Fuel. On va se faire le liquide et Fuel de Mécanism. Pour ce faire, parce déjà, pourquoi le faire C'est dans la quête. Il nous faut 100 buckets de liquide of DT Fuel. Chose très importante. Par la suite, en plus, il nous faudra, je pense, de l'énergie. Et peut-être qu'il en faudra d'autres par la suite. Maybe not. Peut-être pas. Mais il nous faudra de l'énergie en tous les cas pour accélérer un peu ça. Euh, histoire qu'on ait euh, des, quelque chose de badass pour avoir l'antimateur, machin, etc. Bon, je veux en tout cas aller relativement vite sur la fin. Ici, puis en plus, là, là-dedans, euh, on a des choses à faire. Notamment, d'ailleurs, là, le fusion réactor-contrôleur. On voir qu'on se fasse la turbine ici. On a lui à se faire. On va avoir ces petits machins là à faire, etc. Bref, on va avoir un peu de taf. D'ailleurs, je n'ai pas regarder là-dedans aussi. Bon, ça, ça va, c'est pas trop compliqué à faire. Ça va aller vite le 100% finalement après la fin. Donc c'est cool. Bon, si on regarde le DT Fuel, qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire Donc là, c'est à nouveau du chimique de mécanisme pour le coup. Donc pour faire le DT Fuel, il va nous falloir du liquide DT Fuel, On va mettre dans un Rotary Condensator. Le Rotary Condensator, à quoi ça sert Finalement, ça sert à transformer un gaz en liquide ou un liquide en gaz. Parce que là, c'est un gaz ici, c'est un liquide. Quand c'est marqué liquide, liquide c'est un liquide, et quand ce n'est pas marqué, en règle générale c'est un gaz, en tout cas pour mécanisme je parle. Donc là on va devoir récupérer le gaz et le transformer en liquide, parce qu'il nous demande du liquide. Pour avoir le gaz ici, deux possibilités, c'est qu'on transforme le liquide en gaz, mais bon c'est un peu con, hein, on l'a déjà. Euh, il va falloir qu'on mette du deutérium et du tritium dans un chemical infuseur. Donc là on peut mettre les deux de côté, ok. Pour faire du tritium, il va nous falloir le solar neutron activator avec du lithium. Pour faire du lithium, il va nous falloir du lithium dust dans un chemical oxydeur. Ou alors, je vais l'enlever d'ailleurs, transformer le liquide lithium en lithium. Ouais, et le liquide lithium, ça va être là-dedans, donc à nouveau dans le Rotary, ici. Et le liquide lithium, lui, se fait grâce au brine qu'on va transformer dans le thermal évaporation block qui est un multi bloc et le brine on le fait dans la même machine de ce côté là quand on clique dessus ça ne fonctionne pas malheureusement en tout cas on le voit pas. ah si c'est bon ça a l'air de marcher là euh, le brine tuk 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 gazous brine non il le met pas ah si voilà avec du water on va mettre de l'eau là dedans en principe pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas l'eau Liquide oné, cid. Il a enlevé l'eau. Apparemment. Il aurait enlevé l'eau. Ah non, je lui ai passé l'eau, c'est bon. Ce que je me disais, c'est bizarre qu'on ne le voit pas. Parce que de l'eau là-dedans va nous faire du brine. Le brine là-dedans va nous faire du liquide lithium, qui nous donnera du lithium et qui donnera à terme du. Tritium. Et pour le deutérium, il va falloir qu'on récupère du heavy water. Donc en fin de compte, le heavy water, c'est juste de l'eau, finalement, qu'on va récupérer avec une pompe et avec un filtre dessus. Donc la pompe de mécanisme, ce so heavy water, du coup, peut être extrait par une, une source d'eau, enfin hein, d'une de, source d'eau, grâce à une électrique pompe, avec un upgrade dessus. Électrique pompe, c'est bien sûr... Euh, si je fais électrique pump, c'est deux mécanismes. Donc là, il faudra qu'on mette dessus un filtre. On ne le voit pas là-dessus. Et ce filtre-là permettra du coup de récupérer que le heavy water. Donc on a un peu de boulot. La question c'est par lequel on va commencer. Est-ce qu'on commence par le tritium ou est-ce qu'on commence par le deuterium Je pense qu'on va commencer par le tritium. Parce que le tritium va être le plus chiant à faire entre guillemets. Vraiment entre grands guillemets. Hein, parce que c'est pas si compliqué que ça finalement. Il va nous falloir du liquide tritium on a là, voilà, autant pour moi. Donc il nous falloir ceci, cela, cela. Bon. C'est juste des multi-blocs qu'on va devoir mettre. On va se refaire un autre compact machine. Et, je profite. Hein. Compact machine, histoire d'avoir un truc euh, sympatoche. Donc on va prendre ceci. Boum. Okay, et après tout. Voilà, comme ça on va être tranquille. Le compact machine en time max. Comme ça on va être bien et on va aller du côté mécanisme qui va être par là-bas. On va prendre un petit raccourci ici. Et on va aller dans la petite bois boîte. Je vous garde avec moi comme ça. Vous me tenez compagnie. Hop, on va casser là. On va mettre ça ici. Et on va se prendre la petite Game Boy. Alors, une fois là-dedans, nous sommes dans notre petit cube. il va falloir plusieurs petites choses. Euh, déjà le sink on va pas l'avoir. Malheureusement, ce qu'il va me falloir, le bucket d'eau. Et forcément, je n'ai pas récupéré d'eau. Euh, il va falloir qu'on se fasse ceci. Donc là, on va... Je pourrais limite l'automatiser. Je pense qu'on va l'automatiser très clairement. Ça va être beaucoup plus simple. Tac, on va automatiser ça, comme ça, on est bon. Ça, on va l'automatiser également, on est bon. Et ceci, on va l'automatiser pour la forme, même si clairement, on n'a pas besoin d'automatiser. C'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement, on va en faire que deux. Donc, dans l'idée, bon, on s'en fout un peu. Le reste, par contre, on en a besoin d'un peu plus. En gros... Lui, le thermal évaporation... On va mettre Thermal, on va s'en faire deux jusque là ça va. Les valves, il va falloir une valve pour l'input, à savoir le water, une valve pour l'output, à savoir le brine, et une valve pour amener de la chaleur. Donc il va falloir trois valves pour un multi-bloc, donc il va en falloir finalement six. Donc on va se faire six valves. Euh, D'ailleurs tant que j'y pense, on va avoir besoin du heater et du coup on va faire celui-ci. On va se faire. Je pense qu'un seul suffira dans l'idée. On va juste en prendre un seul et on va relier les deux dedans. Pas plus simple. Tac tac tac. Ça on prend, ça on prend en même temps. Et on se prend ceci. Voilà. Le heater on va en avoir besoin. Donc pour l'instant on a ça. Ensuite il va nous falloir euh, les autres blocs. Donc les thermales ici. On va s'en faire un stack je pense pour être tranquille donc un stack euh, go comme ça on va récupérer euh, deux quoi faire. on va l'installer ensemble il va falloir qu'on reparte vite fait récupérer un seau d'eau parce qu'il nous faut un sink chose très importante sans sink malheureusement on fera pas grand chose j'ai pas de sink ici je n'ai pas de sink ici où ai-je un sink qui traîne euh, je vais pas en avoir là-dedans où est-ce que j'ai un sink bon je sais où je vais avoir de l'eau sinon ça va être plus simple, on va les prendre de l'eau. En bas. Là. Donc là, petit bucket qui va bien. Hop là. Et on peut remonter et on se redirige vers le mécanisme qui est là-bas. On est parti. Je vous garde avec moi comme ça, ça vite les petits cuts. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que voilà. Ça me fait moins de boulot. soit sympa, vous voyez un petit peu l'envers du décor, finalement. Donc, on avait dit le sink, Important, il nous faut un sync. Ultra important d'avoir un signe. Sans ça, malheureusement, c'est relou. Donc, on va commencer par installer tout ça. Déjà, euh, on va mettre un peu de place. On va s'en faire un... Oh, je ne sais plus si c'est un 3 par 3 ou un 4 par 4. Je crois que c'est un 4 par 4, de souvenir. De souvenir, c'est un 4 par 4. Et du coup, on a ça ici. Et on va mettre l'autre. Donc là, j'ai décalé de 2. Là, on va décaler de 2. Également. Tac. Okay comme ceci. Ensuite, on va remonter tranquillement les bords. Boom. Ici aussi. Ah, ça me parle, je pense que c'est ça hein, pour le coup. On est bien sur ces valeurs-là. Alors, il va falloir qu'on mette une petite modification parce que là pour le coup, je pense que je n'ai pas ces blocs d'ailleurs, on va en prendre un deuxième stack euh, thermal. Tu vas me refaire encore un nouveau. Tu vas me faire 100. Ouais, tranquille. Donc on va déjà installer un petit peu de choses. Déjà ici on va casser pour mettre une valve. Là on va casser également pour mettre une valve. Et là on va casser pour mettre de la chaleur. Valve chaleur. Et euh, valve ici. Et on va casser également ici pour un contrôleur. Et là pour un contrôleur. Jusque-là ça va. Du coup vous installez un premier contrôleur ici. Un contrôleur. Ça peut être là ou à côté. Hein. Ça peut être n'importe où. Hein. Le contrôleur c'est pas un problème. On va mettre la valve ici. Là, deux valves, valve-valve, et valve-là. Comme ça, on est bon. On va reprendre également des blocs. Et normalement, si on ferme, là, ça devrait valider le multi-bloc. Voilà, là, ça l'a validé. C'est cool. Rebelote ici. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le monter également en hauteur. Parce qu'il faut savoir que ce multi-bloc, plus vous allez le monter, plus il va prendre de la capacité. Je crois qu'en termes de. En largeur, on ne peut pas l'améliorer beaucoup, même pas du tout. Par contre, en hauteur, vous pouvez y aller hein. pour le coup, c'est pas un problème. Vous pouvez monter donc à savoir que là, on va faire tic 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 euh, 1-2-3, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Non, on va pas en avoir assez. On va rester là-dessus. Excusez-moi, tac tac, et ça, on l'orange. Du coup, nous avons ici notre thermal d'évaporation. C'est plutôt cool. Nous avons ici nos, nos valves. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à installer tout le matos, si on peut dire. Donc déjà, le sink, on va le mettre là. Jusque-là, ça va. On va se prendre les pipes de pipez. Donc on va prendre Ultimate. Et on va se prendre les fluides. Alors les fluides, ils sont là. On va prendre également la petite... Elle est où Où est-ce qu'elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Où est-ce que j'ai mis la wrench Elle est sur bois. Suis-je bête Je ne l'ai juste pas rangé. Donc là, double clic, comme ça on récupère l'eau et on met l'eau là-dedans. L'eau ici va se transformer en brine. faut savoir que même si on ne met pas de température, ça devrait fonctionner un petit peu, mais ça va être extrêmement lent et encore j'ai un doute en soi. Par contre, dès qu'on va rajouter le heater, on va se mettre comme ceci. Normalement, il est de chaque côté. Il n'y a plus qu'à relire. Ah, quoique, j'ai un doute pour ça. Je ne crois pas qu'on puisse mettre. Si je prends le flux point, je ne crois pas pouvoir le mettre au-dessus. Non, ça ne marche pas. C'est que sur un côté. Donc, il va falloir qu'on le tourne. Parce que le flux point, on ne peut le mettre que sur un côté, malheureusement. Donc, on va mettre ça différemment. On va installer ça. Pas comme ça, du coup. Vient ici, mais plutôt comme ceci. Et on va même le décaler d'un cran. Je suis un âne. On va se mettre comme ceci. Non. Bon, C'est pas grave. On va mettre lui là. On va arriver comme ça. Hein, C'est pas grave. Alors, du coup, ça ne marchera pas comme ça. Voilà. Comme ceci. Bon, il faut cliquer sur le bloc d'à côté. Comme ça, ici, là-dedans, on lui met de l'énergie. Là il va nous falloir un pipe du coup. Donc on refait à nouveau Ultimate. Et là on va chercher le hitter. Par contre ce coup-ci. Donc ça va être pas cela. On ne l'a pas appris. Il est ici, on ne l'a pas appris. Du coup, il va falloir qu'on se fasse celui-ci. Donc on va lui apprendre tout bêtement à se faire le hitter. Tac tac. Ceci. Celui-ci. Et cela. Et du coup, ça on peut prendre là de On va mettre ça là, ça là, ça là. Et lui ici. Du coup, on va se prendre le hitter. Donc ultimate. Avec le hit. Ici. On va faire 100 pour être tranquille. On va en avoir un petit paquet. Même s'il va en falloir que un. Techniquement. Mais bon, c'est pas grave. On en aura un paquet. On le met ici. Comme ça, on va récupérer tout ce beau monde. Et là, on va être en extraction donc là on va extraire la chaleur qui va aller là dedans et là vous voyez déjà il a commencé non on pas ça voilà il a commencé du coup à produire de la chaleur donc là la température plus elle monte plus on va augmenter ici la production donc là il produit finalement euh, 2000 rf partiques euh, Là, on utilise 40 rf partiques et si vous faites un clic sur le heater vous pouvez changer combien d'erreurs vous voulez consommer donc là, on a 40 RF partic. On peut lui mettre 1000 RF partic. On peut lui mettre 1 million de RF partic. Vous voyez, la chaleur ici augmente. Donc là, avec 1000 RF partic, on va avoir une chaleur qui va être de 493 degrés. Enfin, milliers de degrés quasiment. Hein, si on peut dire. Et du coup là, bah, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Vous voyez, c'est juste une dinguerie. Ça va être pareil pour ici. Là, il va falloir à nouveau nous mettre un petit pipe. Je crois que ça, par contre, le brine. Je ne sais plus si c'est un liquide ou un gaz. C'est un liquide. Donc, on reprend notre cher ami le liquide. Donc, fluide, ici. Et on le remet là. Et là, on extrait. Et là, on lui met. Pour la peine de mettre ça, finalement, vous pouvez très bien laisser comme ce. Pas comme ça. Relou. Vous pouvez très bien laisser, comme je disais, comme ceci. Voilà. Ça va quand même mettre le brine dedans, qui lui du coup va se transformer dès qu'il arrive dedans en liquide lithium. Et ce liquide lithium, on va devoir l'extraire pour en faire du lithium en gaz, parce que il récupère ici le lithium, ok, et là dedans il nous faut le lithium gaz. Pour le lithium gaz, on avait dit qu'il nous fallait le rotary concentrator que l'on n'a pas d'ailleurs, mais qu'on peut faire assez facilement. Alors hop, on va juste prendre ceci. On va se faire ça, hop, on repart là-dedans. Parce que là, vraiment pas compliqué, hein. C'est juste des crafts dans des crafts dans des crafts. Et on se prend le rotary. Concentrateur. Est-ce que je peux le mettre directement comme ça Hmm, that is the question. Si je fais ici side, ça va être un fluide. Euh... Hmm, il va pas me le mettre directement dedans. Non, il va falloir quand même qu'on passe par un câble. C'est pas grave. Du coup, on va se mettre comme ceci. Là, on va lui mettre un petit câble fluide. On extrait ici, comme ça on récupère le fluide qui va bien. Il va nous le mettre normalement dedans. Il faut juste qu'on switch. Donc là, quand vous voyez ici, ça ne fonctionne pas. Et si jamais on switch, on fait toggle opération. Il va nous récupérer le liquide pour le transformer en gaz. Que ça fait gaz vers liquide ou liquide vers gaz. Il faut bien sûr qu'on lui mette DRF, chose importante. Donc on va prendre un nouveau Ultimate. Pour prendre les câbles qui servent à gérer les RF, bien sûr, avec bien sûr un petit pipe, hein, pour le coup, pour changer. Il y a pas un pipe, mais un flux point. Comme ça, on va prendre le petit câble là qu'on va tirer. On va mettre le petit flux point ici même. Voilà. Boom. Et comme ça, nous avons de l'énergie qui arrive là-dedans. Jusque-là, bien compliqué, hein, vous avez vu. Ça se fait extrêmement simplement. Et puis ce qui est bien, c'est que déjà là, on a fait la moitié du job. Bah ben voilà. Hein. Finalement, là, actuellement, on est en train de produire le lithium. C'est un peu long, on peut l'accélérer. Pour ceci, vous allez prendre des énergies importants, vous allez prendre des speeds important Et là, vous allez mettre dessus et Shift clic. Et là, pareil ici, Shift clic. Là, ça va aller un peu plus vite. Là, maintenant que nous avons le lithium. Donc là, on est bon. On a ceci. Il va nous falloir, comme on disait, là-dedans. Alors, reviens là, mon petit. Le tritium, ça va être du lithium qu'on va mettre dans le solar neutral activateur. Le problème de lui, c'est qu'il lui faut le soleil. Donc, on ne pourra pas le laisser là-dedans. Donc, on va devoir faire passer ça dans un temps hein Qui va l'envoyer la veille du soleil Et ensuite, on va la ramener là-dedans. Comme ça on va pouvoir faire la suite, finalement elle l'a dedans. Donc on va se prendre un entangloporteur, porteur, même deux d'ailleurs, il en faudra deux. Hop, normalement on peut se mettre directement ici. Je dis bien normalement. Donc là on va faire et bah, on va lui dire euh, lithium. Voilà, parce qu'on récupère le lithium, jusque-là, ça va. Euh, ça va être un gaz du coup, et on est en input partout. Jusque-là. Ça va. Ici, il faut lui dire que au niveau du gaz, sur le côté ici, on est en output, là, on enlève, et du coup, tout arrive là-dedans. Donc là, on est en train de stocker le lithium, et ça, c'est cool. On va devoir se faire, du coup, le solar neutron activator que je n'ai pas encore automatisé. Ah, on n'a pas le HDP pellet. Hum, hum. Il me manque le HDPE pellet, et on va devoir se faire. Et le HDPE Pellet, ce fait que le substrat de l'oxygène du liquide éthylène. Euh, il va falloir que je vous montre justement tout ça. Il va falloir que j'installe ça. Je pense que je vais l'installer en face. Ici. Comme ça, on va faire la production d'éthylène là-dedans. Parce que je pourrais le faire avec le fissile fuel. Mais au final, hmm, pas forcément le plus intéressant. Donc on va se le faire à la fin, lui, pour le coup, le HDPE Pellet. Enfin, l'HDPE Pellet et HDPE Shit. Donc, si on retourne, il nous faut le deutérium. Faire la suite des événements. Deuterium, ça va être un heavy water qui récupérer d'une pompe. Donc il va nous falloir du heavy water, donc déjà électrique pompe, ça oui. Électrique en tout cas séparateur, pour moi. Avec le heavy water et il va nous falloir du coup une pompe, donc électrique pompe. Voilà, ici même qu'on va se faire tout de suite. Ça va être fait. Allez mon choupinou, voilà. On récupère ça avec à nouveau un flux point pour changer. Voilà. Comme ça, on a ça. On est pas mal. Il va nous falloir une source d'eau. Donc on va prendre un bucket. On va se faire. Petit bucket. On va se prendre également de la cobble. On va prendre celle-là. Tac. Et on va se faire une source. La source infinie va être ici. On va se prendre de l'eau. Et on va mettre de l'eau là-dedans. Donc là, on le met dans les quatre coins et on est pas mal. Ensuite, la pompe. La pompe, on a même, je crois qu'il faut la mettre au-dessus. Je ne me trompe pas. Euh, et elle va pomper en dessous. Oui, vous le voyez, elle est déjà en train de pomper. Du coup. Parce qu'il y avait un petit peu des rêves dedans. Donc, elle a pompé un petit peu. Mais, il va falloir du coup un filtre. Donc, si vous faites mécanisme, filtre, vous avez ici le filtre upgrade. Si vous faites shift, vous voyez que c'est un filtre qui permet de séparer les water de l'eau normale. Donc, là, vous allez le mettre de côté et vous allez vous faire le filtre. Comme ceci, voilà. Et là, vous allez aller dans votre petite machine et vous faites clic droit dessus. Comme ça, vous allez enlever le water. Et le but, c'est que ça ce en fasse ici du heavy water. De mémoire, on ne peut pas récupérer ça. Hein je ne peux pas. Il va falloir qu'on dégage ceci avec un tank. On va se prendre un jumbo tank. On après. Si je le mets au dessus, voilà. Là, j'ai récupéré du water. Très bien. Et il va nous falloir maintenant l'autre eau. Donc, on va mettre ici un petit flux. Ah, est-ce que je peux le mettre sur le côté Je suis pas sûr. Ok, il va falloir que je le mette au-dessus. Même pas. Comment qu'on le relie lui au RF hmm. voilà, Je suis bête. Ça se trouve, c'est juste parce que je n'ai pas mis ceci. Ce n'est pas ça. Hmm. Intéressant. Ah, peut-être que. Reset Machin Calculation. Euh, comment je peux switcher tout ça Alors là, je suis en item, wrench. Je l'ai récupéré. Et si je mets ça d'abord. Et lui après. Ah, là, il se relie. Ok, très bien. C'est derrière, finalement, avec la petite patte qui est ici. Et là, vous pouvez le relier. Donc là, il va nous récupérer normalement du heavy water. Vous voyez Là, c'est très long. Hein à nouveau, normalement, on peut l'améliorer, je crois. Hein oui, speed et énergie. Donc à nouveau, speed et énergie. Alors, ceci est installé du coup, donc là finalement, donc, si je résume, on récupère ici avec l'électrique pump du fluide que l'on filtre, et du coup on récupère ici uniquement le water qu'il nous faut, à savoir le heavy water. Là vous voyez actuellement il n'y a pas de fluide, pourquoi il n'y a pas de fluide, je ne sais pas, normalement il devrait en avoir un peu, c'est parce que c'est vide ici, et du coup, il est en train de le mettre là-dedans, c'est pour ça, il est en train de remplir le pipe ici qui est loin d'être rempli, mais du coup, ça se remplit. Là-dedans, je sépare les deux. Là, comme vous voyez, elle s'est arrêtée la machine, alors que là, ce n'est pas plein. Elle s'est arrêtée pourquoi Parce que ici, c'est full. Pour régler ce problème, vous faites ici dumping excess, ce qui fait que là, dès que c'est plein, ça va le vider pour que lui continue de tourner finalement. Et là, on voit qu'ici, on a repris la création de Terium. et on est tranquille. Astuce également que je vous indique si jamais vous voulez... Si jamais vous vous êtes trompé, on va mettre dans le liquide qui est dedans, vous pouvez faire ce qu'on appelle un gauche dropper. Le gauche dropper permet par exemple de dire là, ah je me suis trompé, c'est pas ça que j'aurais voulu. Vous cliquez dessus et du coup là-dedans, là vous voyez pas, mais j'ai dedans du heavy water que j'ai récupéré. Et là si vous faites clic droit, en gros enfin shift clic droit, vous le videz. Et comme ça, vous pouvez vider finalement le liquide qu'il y a dans une machine de mécanisme. C'est le seul moyen pour le vider. Sinon, c'est relou. Hein et du coup, voilà, voilou. Donc là, finalement, on a l'authérium. C'est tout bon. Il va nous manquer juste finalement pour faire ceci. Parce qu'il nous manque le tritium à de l'autre côté. Et pour le tritium, il nous faut impérativement le solar neutron activator. Et pour le faire, il nous faut le HDPE Pellet. Pour faire le HDPE Pellet, il va nous falloir du HDPE. Enfin, du HDPE chitant, Il va nous falloir du HDPE Pellet, justement. Le fameux HDPE pellet, pour ce faire, il va nous falloir de l'oxygène et il va nous falloir du liquide éthylène avec du substrate. Le substrate, c'est finalement du biofuel, ok, qu'on va se faire grâce à de l'hydrogène, enfin, qu'on va mettre avec de l'hydrogène et de l'eau. Le biofuel, c'est juste finalement des blocs, par exemple, ce qu'on a de façon totalement illimitée, dans un crochet. Jusque-là, ça va. Pour faire de l'hydrogène... Il bah, suffit de séparer de l'eau. Finalement, hein, on peut mettre de l'eau, récupérer de l'oxygène et l'hydrogène. Ça tombe bien ce qu'il nous faut de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Donc c'est cool. Ensuite, il va nous falloir du liquide éthylène. Et liquide éthylène, comment on le fait C'est grâce à de l'éthylène. Et pour avoir de l'éthylène, bah, c'est grâce au biofuel finalement. Donc c'est une boucle qui est vraiment intéressante. Et du coup, on va mettre en place cette boucle qui fera qu'on aura tout le temps quelque chose qui tourne et on va avoir du coup des petits... HDPE, pellet et donc HDPE sheet. J'installe tout ça et je vous montre et je vais l'installer avec laserio parce que malheureusement, j'aime bien le faire avec Xnet, mais on n'a pas Xnet. Donc je vais le faire avec laserio let's go. Il est temps de vous expliquer un petit peu ce fonctionnement. Alors, comme vous voyez ici, j'ai pris mon petit pédestal je lui mis en dessous un sport blossom. Du coup, je récupère automatiquement de la mousse euh, la mousse stone pour moi, de la mousse block, pardon, de la mousse Mousse que j'extrais ici que je remets là-dedans. Donc là je mets de la mousse là-dedans. Vous voyez ça augmente, c'est 39, etc. etc. Et j'en fais du coup du biofuel dans le crusher. Le biofuel, je le récupère et je le renvoie là-dedans, dans ce drawer. De ce drawer, je le récupère et je le renvoie là-dedans. Et là pour le coup, je le transforme avec de l'eau et de l'hydrogène. Hydrogène que je récupère ici avec l'électrolytique séparateur où je lui envoie de l'eau. D'un côté je récupère de l'hydrogène, de l'autre je récupère de l'oxygène. Les deux sont en dumping excess, bien sûr, pour m'assurer d'avoir tout le temps des choses qui tournent. J'extrais l'oxygène par en dessous et l'hydrogène par la droite. L'hydrogène va là-dedans, l'oxygène file en dessous et remonte là-dedans. Ici, finalement, je transforme le biofuel avec d'un côté de l'éthylène, de l'autre côté, notre cher ami, le substrat. Le substrat que je renvoie là-dedans dans le drawer. J'extrais le substrat également derrière pour le renvoyer ici. En gros, parce que là, ça me fait un petit buffer finalement, ce que je veux toujours que ça tourne. Parce qu'une fois que c'est plein ici, malheureusement, ça pourrait bloquer la création d'éthylène. Ce que je ne veux pas. Et comme ça, là-dedans, ici, j'ai mon liquide éthylène qui est créé grâce à ceci. Donc là, l'éthylène se transforme en liquide éthylène. Ici, je me récupère mon liquide éthylène et mon oxygène, mon substrat, et je fais du coup mon HDPE pellet. Et du coup, j'ai du HDPE pellet, ça fait plaisir. Donc là d'ailleurs, si je m'amuse à prendre un petit fou avec du coal, je vais pouvoir me le mettre directement là-dedans. à la limite, ça m'évite de repartir tout là-haut. Même si finalement, euh, non, en fait, c'est carrément plus simple d'aller avec ça. Voilà. Et comme ça, on a récupéré le HDP. Pelette, ça fait plaisir. Boum. Oh Ah non, je suis bête. <laughs> Et je suis idiot. C'est juste ça. Voilà. Bim. Du coup, j'ai du HDPE shit sur moi. Ça fait plaisir. Tout ça, je range, je range. Plus besoin. Je peux ranger. Je peux ranger pour l'instant. Ça, j'avais essayé de mettre du gaz dedans. Ça ne marche pas. Mon gauche. Ça là, ça là, ça là. Il faut quand même que je récupère malheureusement quelque chose que j'ai rangé. Euh, mais qu'on va retrouver après. C'est pas un souci. Bon. Du coup, nous avons ceci. On est content. Il nous fallait du coup le solar neutron ici même. On va en faire qu'un seul. Je ne sais pas s'il si en fout 36. Je ne pense pas dans l'idée. Donc on va en faire un. Voilà. Et on va se mettre euh, tout là-haut. Voilà. Après tout, pourquoi s'embêter Quand on peut voler... Boum. On va le mettre là. Boum. Ici même. Et du coup... Du coup, je crois même que je dois, si je ne me trompe pas. On pas mettre de RF, ça sert à rien. Est-ce que je dois mettre un câble C'est la question que je me pose. Donc on va prendre déjà l'entangleur porteur. On va en prendre deux. On va en mettre un devant. Lui, on va le nommer, bien sûr, avec lithium. 7. On va lui dire ici le lithium. Donc si on regarde dessus, c'est bien du gaz. C'est marqué gaz lithium. Donc, on va lui dire ici, donc on va mettre ça à 0, ça à 0, et le gaz ici en output partout. Et du coup, lui, on va lui dire le crase, il va être en input devant. Jusque-là, ça va. Input devant, ok, on est bon. On récupère bien le lithium dedans, et là, on fait bien du tritium plaisir et du coup on va l'extraire derrière Donc, on va y avoir ici le gaz derrière tu la output et si on remet ici ceci là on va lui dire euh, tritium touc, validé en privé c'est mieux boum voilà et comme ça on a le tritium et dedans il nous met le tritium ça fait plaisir et du coup naturellement il va nous récupérer tout le lithium le transformer en tritium on va récupérer un maximum de tritium. On peut ensuite repartir tranquillement en bas. Boum. On reprend la petite coupe de disquette. Et du coup on se récupère un petit quantum. Le petit quantum qu'on va mettre, je pense directement ici. Je pense ça va marcher. Tac. On va se remettre ici en privé avec tritium. 7. Et on va se mettre ici par contre en gaz. Tout en extraction auto-éjecte. Et là, pour le coup, nous avons le DT Fuel. Et on a déjà 10 000 mini buckets. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, on n'a plus qu'à l'extraire, ce petit machin-là. Alors, c'est un gaz, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un gaz. Donc, est-ce qu'on peut réussir à stocker un gaz quelque part Si je fais gaz. Gas, gas, gas. Oui, nous avons des trucs là-dedans. Là, euh, là c'est créatif, on s'en fout. C'est pas un créatif que je veux. Mais en tout cas, on peut le stocker. C'est euh... créatif. créatifs, donc si on fait tank dans l'idée. Euh... chemical tank, basic, chemical, advanced, elite, ultimate. Créatif, ok. On a créatif qui là, on a l'ultimate, donc on va se faire un ultimate. Donc pour cela, il nous demande tout ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là-dedans. On veut l'ultimate, donc là on va lui apprendre tout ce qu'il faut. Ok, une fois qu'il a pris, on va le revoir en dessous et on va lui apprendre tout ce qu'il faut. Ensuite, on va repartir de cran en dessous. Petite technique hein, de, de mon cher ami mécanisme. Tac-tac, du coup, lui, on peut le faire. Et une fois que vous l'avez, vous faites U, vous remettez, vous refaites U et vous remettez. Et on est bon et nous sommes good. Et là, vous le mettez devant et là, il se remplit. Ça fait plaisir. Et du coup, bah, nous avons des Fuel. Ça y est, il est là. Et ça se fait assez facilement, finalement. Donc là, on a déjà 32 buckets. Il en faut 100 pour notre cher ami. Euh, Est-ce que d'ailleurs. Ah, on peut aller dedans. Ok. Et on peut. Oh, on peut s'occuper de tout ça. Ça, ça me plaît beaucoup, ça. Ça veut dire que lui, le screen. Le screen, le petit screen ici. On peut le mettre devant. Lui dire Toi, bam. Il me veut mes 100 buckets de T-fuel, hein? pas de, de oui c'est ça, de fuel que le valide. Et normalement, sous vos yeux ébahis, ou peut-être pas, peut-être pas, pourtant l'output est devant. Il devrait se remplir ce tan. Il veut pas, et bah écoutez, vu qu'il veut pas, on va prendre un petit câble, donc on va faire ultimate. Ultimate, fluide, non, gaz, oui, comme ceci, là ça remplit. Task screen. Ah il veut pas hein Pourquoi il veut pas hein Ah c'est du liquide Oh suis-je bait. je bait, suis-je bait, suis bait suis Est-ce que je peux récupérer ça avec le gauche Non. Euh, bon. Transformer ça. On va reprendre pas un chemical infuser, mais un Rotary. Concentrator. Qui est là va nous falloir et comme ça on va le transformer en liquide et on va pouvoir le stocker en liquide d'ailleurs ce qu'on va faire on va le stocker en liquide ça va être mieux ça va être bien mieux tac tac et tac touc et lui on va le mettre euh, on va le mettre en dessous ici on va récupérer pas ça ça je vais récupérer plutôt donc là euh, Ultimate, on va faire un truc dégueulasse, mais c'est pas grave. Je veux juste relier. Ici, si, pour ça, fonctionne. Il a transformé des fuels en liquide. On va juste lui apporter un petit peu d'énergie. Allez, on va faire deux de plus. Et speed, également deux de plus. Donc là, pour réussir à la mettre en plus, vous faites un clic molette. Et comme ça, vous faites le nombre que vous désirez. Boum, boum. Ça va aller un peu plus vite. Voilà. Et maintenant on va pouvoir faire un tank. Il enfin, déjà mettre le screen déjà devant. Et plus tard on mettra un tank. Ce sera plutôt comme ça je pense. Euh, parce que le fuel. En euh, 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 euh. bucket ouais euh, 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 ok. Et les fuel classico, il sert à rien. Ok. Donc vraiment un liquide. Ça roule. Donc, le tank sera pas si mal, je pense. Donc, on va prendre euh... hmm. ah, On met directement ça pour l'instant. Voilà. Et là, en principe, si je lui dis gaz devant, tu mets la output. Est-ce que non c'est pas gaz. Je suis un an. Oh là là, je me, je me fatigue. Fluide devant la output. Ah là, ça remplit. Là, on est bien. On ça fait un truc dégueulasse pour si peu, hein, finalement. Je pense que je vais casser ça. En fait, je pense que ça, ça sert à rien. faut le mettre directement là-dedans. On va gagner de la place, hein, dans l'idée. Il est vide. Lui, il est vide. Lui, il est vide. Lui, il est vide. Bon, on va faire ça. Ah, ça. ça. On va gagner un peu de place. Et arrête de sauter, voilà. Du coup, là, boss nickel. Et lui, il faut qu'on le remette dessus. Voilà, et là, ça charge. Et comme ça, on va avoir la quête de valiser par la suite. Et on aura fait notre fameux DT Fuel. Donc, ça, il va rester là-dedans. Et plus tard, il faudra que je pense à mettre un tank pour être tranquille. Et comme ça, ça bossera tout seul. Il faut que je pense d'ailleurs à force de la zone. Sinon, ça ne marchera pas quand je ne serai pas là. Et c'est un peu dommage. Donc, ça en est bon, ça on est bon. Le gojon s'en fout. Ça en est bon, ça on est bon, ça en est bon. Lui, il va ranger également. Euh, lui, on va le ranger. Ça là, ça là. Creative Motor, on va le mettre ici. Et du coup, si on est au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a du coup donné là-dedans euh, Donc, on va faire celle-ci. Ok. La prochaine fois, on pourra s'attaquer du coup à cela. Ce qui va plutôt être cool. Après, on va pouvoir avancer là-dessus. On avancera là-dessus. Sachant que dans ces petits machins là, il y a des choses qu'on a déjà. Très clairement, les 1000 Eye of Thunder, c'est pas compliqué à faire. Je pense même d'ailleurs. Eye of Thunder, on va lui en demander 1000. Il va me les faire maintenant. Ça va être fait. Euh, quoi d'autre que je peux demander également maintenant euh, Le Flux Infuse, normalement, c'est un truc qu'on peut faire assez facilement. ça. C'est juste ça de cuit. Okay. Avec du coup ceci. Donc ça, on l'a déjà. Il en faut 32. Gaia Spirit, on les a pas encore, je crois. Les Gaia Spirit, il faut que je tue des Gaia. Euh, j'en ai pas. Il faut que je tue plein de Gaia. C'est pas grave ça. Donc là, finalement, hop. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste l'automatiser, en fait. Tac, tac, tac. Comme ça, on le met ça là-dedans. On le met là. On va dire ceci. Hop. In the pocket ass de la bananas. Et du coup, on va lui dire maintenant, euh, j'en veux. Donc tu vas me faire des flux. Et tu vas en faire euh, 100. Ça va être fait. Comme ça, on va récupérer les 100. On va récupérer les 1000. Voilà. Et les 1000 et 1000, comme on dit. C'est méta. On va voir aussi les Dimensional Shards que je dois avoir. Parce que je crois que je les ai lancés tout à l'heure. Oh, je n'ai pas. Euh, suffisamment. Pourquoi ça Ouf. Oh, il manque du glace. Il manque du glace. Il manque du glace 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 s'il si manque du glace on va régler le problème ça au moins c'est good euh, du coup je suis bête j'ai enlevé les machins pas grave Là, il va falloir un four Home home sweet home on va enlever ce bruit infernal de nos oreilles et on va se mettre ici même pour faire brûler ce petit homme ah, il y a tout le truc qui cuit ok Très bien. Que moi bon, ça vite fait. Ça fait plaisir. Il me le pas si vite que ça, hein, mine de rien. Mais bon, au moins ça cuit tranquillement. Et du coup, en profiter, on va se faire les dimensional shards qui nous manquent. Nous avons les mille. Ça fait plaisir. Et du coup, il me fallait. Oh, j'ai oublié le nom. Ah Quel boulet je suis des flux. Des flux. Plus. Plus. Voilà. Et comme ça, ici même, tac, 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 ça c'est bon. Ils sont là. Et eux, ils sont là. Et comme ça, l'avantage, c'est que la prochaine fois, on pourra checker pour le lingot instable, mais en version stable, celui-ci. Et surtout, celui-ci également, le favorite Ingot. Il va nous manquer les Gaïa, mais ça, je vais les faire en solo, tranquillement en off. Tuer le Gaïa, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça, en tout cas, de me voir tuer un Gaïa en boucle. Euh, oh! On les a pas fait. Popé de chorus. Ok. Ok. Il va y avoir un peu de. Un peu de taf. Il va falloir ça. Il va falloir qu'on les duplique, ces machins-là. Hmm. Il va y avoir un peu de boulot là-dessus, de farm, malheureusement. On a ça également qu'on va devoir faire. Ça, ça va se faire assez. Oh Non, ça va être un peu plus chiant, ça. Parce qu'il va falloir trouver les mobs. Ok. Ça, après, ça va. C'est juste. Voilà. C'est un sort à faire. Un rituel. Pas trop compliqué. Euh, là on va encore avoir de l'occultisme, lui il va être un peu plus chiant, la fritence, hein, très clairement, il faut l'avouer. Là il va nous falloir à nouveau du Kaya. Mmh. avec Avec Gaspirit, ok, il va on va faire qu'on passe là-dessus du coup avec Botania, très bien. Donc il y a des petites choses à faire, donc ça va être plutôt cool, on va s'amuser en tout cas avec ça. Creative rune. de craft. Alors ça, je ne connaissais pas. Euh, creative OK, Creative Spellbook on s'en fout, Creative Jetpack on s'en bat les steaks littéralement, ça on s'en fout. Euh, creative Source c'est pas mal, il donne très tardivement c'est dommage. Creative World shape, euh... je ne connais pas du tout, non pas du tout. Et à la fin il y a la Shitty Storage Disc mmh, qui fait plaisir, on pourrait tout ce qu'est dedans. Et il faut pas mal de petites choses, ça on a, ça on a, ça ça va être très facile, ça c'est juste une question de temps, ça aussi, il faut qu'on l'automatise aussi. Le dragon on l'a déjà tué donc au final bah ça va aller vite ça va aller très très vite pour le coup pour la fin en tout cas ici et ensuite il nous manquera les quêtes à faire pour arriver au 100% mm -hmm. bon j'espère que l'épisode vous a plu en tout cas on a vu pour faire le DD Fuel de A à Z ce coup-ci n'hésitez pas un petit pouce bleu si vous aimez l'épisode mettre un commentaire si vous voulez rajouter petites choses en tout cas dessus ou même mettre un commentaire tout simplement pour aider le référencement n'hésitez pas ça avec grand plaisir et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas pour la suite des épisodes et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao